Le tennis fauteuil à l'honneur à Feucherolles, le comité des Yvelines a organisé un tournoi sur 3 jours du 26 au 28 novembre, avec au programme des matchs entre 16 des meilleurs joueurs français, une première pour un comité de tennis. Nous avions un projet fort au niveau du tennis fauteuil sur le comité, et c'était une façon de consolider justement ce projet et puis de donner une image au niveau du tennis fauteuil pour attirer justement davantage de participants à ce niveau-là. Le comité des Yvelines compte à ce jour 3 sportifs intégrés à la cellule haut niveau mise en place par la structure pour préparer les sportifs aux compétitions internationales et aux Jeux paralympiques de 2024. On retrouve notamment Pauline Deroulède, la championne de France 2021, à participer à cette compétition. J'étais ravie de jouer ici. Voilà, c'est mon lieu d'entraînement, le comité des Yvelines, donc c'est un peu la maison. J'ai pas joué comme je voulais. J'ai un nouveau fauteuil et c'est vrai que je prenais encore mes marques. Et puis un peu fatiguée de la saison. Mais je suis contente d'avoir remporté la 3e place pour honorer un podium pour mon comité. La sportive seule féminine présente ce jour-là finalement terminée à la 3e place de cette édition. C'est un très bon niveau, c'est des garçons qui savent jouer au tennis, qui ont l'habitude de l'expérience des tournois. Voilà, moi ça me permet de me confronter à un très bon niveau, ça me fait bien jouer. Après, il y a des petits détails qui jouent au mental parfois. Une nouvelle édition de ce tournoi sera organisée l'année prochaine dans les Yvelines. À l'avenir, le comité des Yvelines espère pouvoir recevoir des sportifs internationaux sur ces terrains.